pour le live, bien sûr, on continue. On continue, on continue. Alors, est-ce que maintenant c'est ouvert à droite? Oui, maintenant c'est ouvert à droite. Très bien, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Le cœur. Elle fait toujours la gueule en mode je peux rassurer. C'est vrai. J'ai remarqué que tu ne disais pas grand-chose. Tu t'inquiètes à propos de ta rencontre avec Asgore? Ben, ne t'en fais pas, d'accord? Le roi est vraiment quelqu'un de bien. Je suis sûr que tu arriveras à le raisonner et avec ton âme humaine, tu peux traverser la barrière sans problème. Alors, pas d'inquiétude. Garde le sourire et on oublie ces histoires. Très bien. Y aura-t-il un best-of? Je ne pense pas, donc il y aura de best-of. Mais il y aura les rediffs. Pour tout ça, on a déjà fait, non? Étage gauche 1, ouais, donc il faut aller à étage gauche 3. Alors. Ouh. Bonjour. Bienvenue dans notre salon, mon sucre. Désirerais-tu goûter un de nos arachno-pâtisseries? Tous les achats iront au profit des araignées. Non, ça va. Ouais, quoi que, faut voir. C'est un arachno-donuts! Je peux pas l'acheter? Attends, comment j'achète? Pourquoi est-ce que... Parce que l'arachnodonut, ce que vous me dites de... Vous me dites, ah, tu l'as utilisé, machin, sacrilège, regardez, il y en a un là. Pourquoi est-ce que je peux pas lui acheter? C'est un peu plus caoutchouteux que d'habitude. Acheter un arachnodonut. 999 000. Ouais, bah non, tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai fini par acheter un donut. Je voulais pas, mais cette fille, même quand je lui dis non, elle a continué à me regarder avec cet air flippant tout en séchant les babines. Et maintenant, je n'ai plus d'argent. Allez, go. On continue. Drink, oui. Salut, c'est Alphys. Cette salle est comme celle qu'on a vue avant. Il y a deux énigmes au nord et au sud. Tu vas devoir les résoudre pour continuer. D'accord. J'aimerais te dire que je n'aime pas vraiment donner les solutions des énigmes. Mais si tu as besoin d'aide, appelle-moi. D'accord? En fait, attends, j'ai une idée. Devenons amis sur Internet. Oh. Ouais, si tu veux. Mais attends, on est déjà amis, non? Parce que je t'avais déjà créé un compte. Du coup, tu lis mes posts depuis le début. Ouais, j'espère que tu seras du même avis. Ouais, allez. Pour Mio, Mio 2, bien sûr. Hop, hop, hop. Alors. Il y a un truc à faire ici. En fait, ça fait plus. Ça fait juste une barre de dégâts en plus, en fait, ici. Du coup, c'est quand là que j'en ai besoin de votre arachno donut? C'est maintenant là? C'est au prochain boss? Que sans ça je vais en chier. Hop là. Donc là. Ok, toujours le même principe. Waouh, toujours le même principe mais avec un seul. D'accord. Au prochain boss. Ok. J'avais pas vu. Hein. Mon moment métaton favori quand il pose dramatiquement alors que tout semble perdu. Genre comme quand il fait son émission de cuisine et que les œufs n'ont pas bien été cuits. Mon moment métaton favori c'est quand il se tape sur les méchants du show, même si ça arrive en plein durant un soi-disant quiz télévisé. Descendre. Hop. Hop. Voilà. Alors. Ouais, il faut que j'aille là, de toute façon. Pas le choix. Mais non, j'ai. Ah ouais, mais alors ça, c'est bâtard parce que. Je n'y pouvais pas grand chose en fait. Merde, je fais de la merde. Dring, qu'est-ce qu'il veut? Eh! Ça n'a pas vraiment de rapport avec la situation, mais. Dis, ça te dirait qu'on regarde une série télé humaine ensemble. Un de ces quatre. Ça s'appelle Miu Miu Bisou.
Carrément. Allez, carrément. Sérieux? C'est vraiment bien. C'est ma série préférée. Ça parle, j'ai pas eu le temps de lire. Des fois, en fait, le X, c'est cool, mais du coup. Alors là, ça défie tout seul. Aïe, je t'ai pas le micro. Elle embrasse les gens pour les contrôler. Putain, mais là, ça défile tout seul. Mais ciel bel. Bon, allez, tais-toi. On devrait regarder ça une fois ton périple terminé. Ouais, le X, c'est bien, mais du coup, des fois, ça fait sauter des dialogues sans vouloir. Alors. Ah merde. Alors. Voilà. Ta-da-da-da-da-da. Parfait. Tant pis, il y avait un truc là sûrement. Attends, je. Non, ouais. Je vais aller voir parce que ça m'intrigue. Ah, mais je peux. En fait, je suis forcé de me le prendre ce truc. Autant courir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Vous vous arrêtez pour sentir les fleurs. Quoi, c'est tout? Je pensais que ça avait une vraie utilité, putain. Hop. C'était à côté, je pourrais. Non, c'est encore à côté. Hop. Alors. Vraiment, je suis pas full vie, donc. Ah bah parfait. Ça vous empêche de détermination en fait dans l'air et l'odeur de toile d'araignée. Quelque chose me dit que le boss ça va être une araignée. Bah l'arachno donut. Ah mais à tous les coups votre arachno donut c'est parce que genre le boss va être pété, ça va être une araignée et l'arachno donut va me permettre genre de l'amadouer, un délire du genre. Je sens venir le délire gros comme ça. Alors, vous vous dites tous RIP. Putain à ce point, vous faites flipper. Hein. Vous avez entendu ça vous autres? C'est si galère que ça? Apparemment un humain en pull rayé se dirigerait par ici. Bonne chance, à l'assaut, bonne chance. D'accord, j'ai entendu dire que les humains détestaient les araignées. Qu'ils adoraient les écraser. Non. Qu'ils s'amusaient à leur arracher les pattes. J'ai entendu dire. Bah, je peux plus bouger. Salut. Qu'ils étaient radins comme pas deux. Tu as peur que nos pâtisseries ne soient pas à ton goût, mon sucre? Permets-moi de te rassurer, je crois bien que ton goût est pile ce qu'il manque à notre prochaine fournée. Génial! Ok. Le piège de Muffet se referme sur vous. On va voir un peu en termes de vie. Ok, n'aie pas l'air si morose, mon sucre. Alors, voyons voir. Ah! Ok. Donc, je suis forcément sur ces trois lignes. Vous êtes piégé dans une étrange toile mauve. Alors, du coup. Les araignées. Oh, la musique est trop stylée. Putain, attends, je mets deux écouteurs. La musique est beaucoup trop stylée. J'aime bien ce boss. Il est peut-être très dur, on va voir, mais. La musique, le charisme du boss. Le bonheur de beaucoup d'araignées repose sur ton âme. Ah, je vous lis pas trop là, hein, les amis. Ah oui, si jamais je le dis d'avance, là je vais la tuer. Hein. Là, au final, ça passe plutôt bien comme ça. On est sur une game neutre, sur une run neutre, comme on dit, comme vous me disiez. Donc, c'est ma première run, je le fais comme je le sens. Et si jamais un jour j'ai envie de me refaire les jeux. Le jeu avec soit une run pacifique, soit une run génocide. Là, je l'épargnerai ou quoi, mais voilà.
Là, on essaie d'avancer et de se la faire. Parce qu'au final, je tanque plutôt bien. Je pense que c'est parce que j'ai pas mal de... J'ai pas mal de... Putain, c'est stylé. J'ai pas mal de niveaux, mine de rien. Enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que j'étais à peu près... J'étais bien, quoi. Donc je résiste assez bien au coup. J'ai pas mal de PV. Et je fais pas mal de dégâts. L'individu qui nous a parlé de toi. Donc là, ouais. Là, clairement, je pense que c'est plus simple. Bon, on l'a vu, d'ailleurs, quand j'avais tenté un truc... pacifique là, enfin d'être clément, c'était plus galère qu'autre chose. Donc là pour ma découverte, je pense que je vais la tuer si j'y arrive. Enfin, j'arrive pas à faire un... Attention à ça. Après, on les a pas tous tués, hein, de mémoire. En boss, il y a eu qui qu'on a tué? On a tué Toriel, mais c'était pas volontaire, malheureusement. On a fait le seul coup critique de notre partie. On en a pas eu d'autres depuis les coups critiques, donc on a vraiment pas eu de bol. Qui on a tué? Papyrus, on l'a laissé en vie. On a tué la grosse méchante là. J'ai oublié son nom. Undouin, je sais pas quoi là. Et voilà. Puis l'araignée, pardonnez-moi, mais j'ai vu des gens dans le chat qui disaient « Non, laisse-la en vie, elle est trop mignonne !» Elle est mignonne, enfin, elle veut nous bouffer, hein, donc bon, perso... Perso, c'est pas trop mon kiff de me faire bouffer par une araignée, donc je me défends, en fait, tu vois, là, c'est de la légitime défense, les gars. Après, j'imagine qu'elle est... Quand vous me disiez bonne chance, adieu, machin, j'imagine que vous parliez du fait qu'elle était galère à épargner, je suppose. Parce que là, pour l'instant, on le voit, là, on va la tuer sans difficulté, en fait. Il va pas y avoir de problème à la finir. Après, je sais pas s'il y a une différence entre clavier et comment on appelle, et manette à ce niveau-là. Parce que là, moi je galère pas, vous m'avez tous dit avant le truc, adieu, bonne chance, RIP. Au final, ça va. Est-ce que... Attends. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Avec cet argent, leur louer une voiture chauffée serait une simple formalité. Ouais, bon bah... Ben adieu. Tchuss. Voilà. Voilà. En fait, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, et c'est peut-être parce que je découvre, hein, mais il y a un truc que... Il y a un truc que, du coup, je vois chez les fans d'Undertale, c'est que vous êtes trop attachés à tous les boss. Genre là, je vois des gens qui disent « Non, épargne-la !» Les mecs, c'est juste une putain d'araignée qui veut nous niquer, en fait. Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que je connais pas, en fait. C'est possible. Mais... Les boss sont plus durs en pacifique. Oui, j'imagine. C'est un poster promouvant la toute dernière représentation de Métaton. Il s'agit du conte tragique de deux taureaux séparés par le destin. On dirait que le spectacle est sur le point de commencer. Elle est nulle en fait. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Cet humain. Tu ne connais pas les raisons de pourquoi elle veut te tuer. Non, d'accord, mais bon, c'est quand même des gens qui veulent me tuer, tu vois. Bon, on verra si jamais je fais les autres. Si jamais je fais un jour les autres runs, on verra. Serait-ce toi? Mais qu'est-ce que... What the fuck? Mon bel amour, qu'est-ce que c'est que cette merde? Roméo et Juliette. Parce que là, au final, elle était pas compliquée à partir du moment où on l'attaque. Peut-être qu'en Pacifique, elle est galère. Mais c'est vrai que là, vous m'avez tout dit qu'on allait galérer. C'est passé, tu vois.
Mais de toute façon, oui, je fais une neutre. Et on m'a même dit au tout début du... Au tout début du live, ce... alors peut-être que c'était une connerie, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que de toute façon, pour une première run, je ne pouvais pas faire autre chose qu'une neutre. Donc de toute façon... Mais je peux me barrer en fait. Non, je peux me barrer, ok. Bref, écoutez, voilà, je fais ma game. Moi, franchement, j'aime beaucoup le jeu. Je suis très... je suis très enjoué par le jeu, très honnêtement. Donc moi, j'aime bien. Plus que cash. Bon, le dernier cash, allez. J'ai dit que j'aimais bien le jeu, attention. J'ai pas dit que je comprenais l'engouement ultra sectaire qu'il y avait autour pour l'instant. On va voir, on verra à la fin. Tellement triste. Te voir ainsi finir au cachot. Bon, ciao ciao. Oh merde. Elle vient avec moi quand même. Elle vient avec moi. Oh non, mais que vais-je faire? Mon seul amour qui va bientôt périr dans ce cachot. Et l'énigme qu'il renferme est si vile que seule la mort, mon âme sœur, y trouvera. Oh! Mais c'est l'épreuve que l'autre il nous a que Papyrus il nous avait donné au début. Sauf que là ça va marcher par contre. Chacune de ces dalles a sa propre fonction. Par exemple les vertes produiront un son et tu devras combattre un monstre. Nous avons déjà vu cette énigme il y a une centaine de salles, non? Oui un peu oui. Mais oui tu te souviens toujours des règles, pas vrai? Bien sûr. Inutile de te les répéter dans ce cas. Bien sûr je m'en rappelle. Oh, et tu vas devoir presser le pas, car si tu ne franchis pas ce couloir en 30 secondes... Oh putain. Alors, c'est lance-flamme où on te retire sur place. Là, par contre, on va perdre, je pense. Mon pauvre chou. La neutre est la run la moins intéressante et aussi la plus facile. Ça, j'en doute pas que c'est la moins intéressante, c'est normal, mais tu vois, je découvre. Bloqué. Bah adieu. Ouais. Je suis navré, il semble que le temps soit écoulé. En fait, je voulais revenir en arrière. Il semble que c'est en faisant les runs d'après que tu comprendras notre engouement. Oui, j'imagine bien. Bon, du coup, là, j'ai perdu. Et voici les flammes trésor. Adios. Elles se rapprochent. Elles sont tout près au ciel. Ça ne devrait plus tarder. Ah, mais attends, c'était fait exprès. Je pouvais pas réussir en fait, c'était trop galère. Attends, je vais te sauver. Je suis déjà en train de hacker le système de pare-feu. Enfin, peut-être qu'il y a moyen de réussir, mais en tout cas, voilà. Oh non, comment cela peut-il? Battu de nouveau par le brillant docteur Alphys. Tu verras en pacifiste que tout le monde est gentil à sa personnalité. Undine, par exemple. Undine, par exemple, pas méchante. D'accord. C'est exact. Allez, mes tâtons, lâche l'affaire. Tu ne pourras jamais nous battre. Pas tant qu'on travaille en équipe. Finis les énigmes, rentre chez toi et laisse-nous tranquille. Mes énigmes, fini? Alphys Trésor, mais de quoi parles-tu? Bon, on peut réussir une première game en pacifique ou en génocide, mais c'est très dur, on me dit. Bon, très bien. Allez, on avance, on continue. Tu as déjà oublié à quoi servent les dalles vertes? Lorsqu'elles jouent un son, tu affrontes un monstre. Et Trésor, ce monstre, c'est moi! Ah! Oh, mais j'ai quasiment plus de vie! Est-ce que cette fois ça passe? Ah non, toujours pas. C'est la fin, mon chou, dis au revoir. Le téléphone, un appel, tu devrais le prendre. Ça se présente mal, mais ne t'en fais pas. Je vais installer une dernière chose sur ton téléphone. Tu vois ce gros bouton jaune? Va dans le menu action du téléphone et appuie dessus. Attends, le menu action du téléphone est en surbrillance. Alors, le menu action du téléphone est en surbrillance. Ah, d'accord. Vous appuyez sur le bouton jaune. Le téléphone entre en résonance avec mes tâtons. C'est la fin, mon chou, dis au revoir. Attends. Vas-y, appuie sur Z. What? Oh! Oh! Tu m'as vaincu!
Comment est-ce possible une telle puissance? Ah bah, c'est tout? Non, c'est pas tout quand même. What? Je crois que tu l'as eu. T'as fait du super boulot, tu sais. C'est grâce à toi. Quoi? Oh non, enfin, c'est toi qui faisais tous ces trucs cool. De mon côté, j'ai juste bidouillé les programmes sur ton mobile. D'accord. Dis, ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Je peux te dire un truc. Avant de te rencontrer, j'aimais pas vraiment qui j'étais, tu vois. Depuis pas mal de temps, je me trouvais inutile et incapable de faire quoi que ce soit sans laisser tomber tous les autres. Mais le fait de t'aider, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux à mon sujet. Alors merci de m'avoir permis de t'aider. Oh, bah, c'est mignon. Enfin bref, on arrive bientôt au noyau. Ah oui, c'est vrai. C'est juste après l'hôtel MTT. Allez, finissons-en. Très bien. C'est vrai qu'après le noyau, il y a le château. Je me suis dit que j'arriverais sûrement à vendre si j'allais au casse-citer, hein, personne n'en veut. Bon. Je suis en pleine vente de déstockage. Tu veux de la glace? C'est la douceur. Ouais. Ah, allez, je t'en prends une. Très bien. Alors, où est-ce que... Ah non, ici j'étais déjà allé, c'était là où je parlais à mes tâtons. Il m'a fait tomber. Et là, du coup, il y a quoi ici? Ah, j'étais arrivé par ici, moi. Ah oui, je pouvais pas monter, je crois. C'était ça l'histoire, je sais plus. Ah, copain, ça fait longtemps. Hey, va dans la ruelle sombre à droite pour faire des deals de dingue. Oh, welcome. Salut. Malbouffe. Oh, plus 2 attaques. Plus 1 défense. Probablement de la maison d'un gars MDR. 350. On le prend. Et je te prends ça aussi. Très bien. Alors, objet, pistolet utilisé, vous équipez du pistolet, et on va s'équiper du chapeau de cowboy. Vous équipez du château de cowboy. Très bien, nickel. Alors, hé, j'ai entendu dire que t'as le noyau, ça te dirait de manger un bout avec moi avant? Ouais, cool, merci de m'inviter. Alors j'ai plus d'argent, par ici, je connais un raccourci. Bon, on y est. Donc, ton voyage se termine bientôt, pas vrai? Tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi. Eh, je connais ce sentiment, mon pote. Mais parfois, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Ici-bas, t'as à manger, à boire, des amis. Est-ce que tout ce que tu as à faire là-haut en vaut vraiment la peine? Bah, oublie ça. Je te fais confiance, le mioche. Hey! Laisse-moi te raconter une histoire. Tu te souviens que je suis sentinelle dans la forêt de Couve-Neige, hein? Je reste là à attendre l'arrivée des humains, c'est plutôt barbant. Heureusement, tout au fond de la forêt, il y a cette énorme porte verrouillée. Et elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues toc-toc. Est-ce que c'était pas l'histoire de la clé, là? Il y avait une clé à 600 d'or, hein, chez le marchand. Un jour, je tapais la discute tout seul, comme d'hab. Je frappe la porte en disant toc-toc, et d'un coup, de l'autre côté, j'entends la voix d'une femme. Qui est là? Du coup, naturellement, je réponds Tuba. Et là, Tuba. Tuba qui? Tuba a trouvé cette blague vraiment nulle. Ah, d'accord. Et là, elle éclate de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendue de sa vie. Du coup, je continue d'en sortir et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait jamais trouvé mes blagues aussi drôles. Est-ce que je peux faire une théorie? Est-ce que je peux faire une théorie? Je soupçonne que la femme dont il parle, c'est soit Toriel, si c'est une femme, je sais pas, soit Undyne, c'est ça son nom, j'oublie toujours, bref, et il va apprendre qu'on l'a buté, et il va nous péter un plomb dessus, parce que en fait, Undertale, je connais un peu, tu vois, depuis le temps qu'on m'en parle et tout, et il me semble, en fait, pour moi, le personnage le plus comment dire? Pour moi, hein, je dis pas que c'est le cas, mais pour moi, le personnage qui représente le mieux Undertale, c'est lui en fait. C'est ce squelette. Moi, j'avais toujours vu plein de designs de ce squelette et tout, et il me semble l'avoir déjà vu en fight. Donc, je me dis qu'il y a des chances qu'on va se le prendre à un moment, tu vois. Et que si je l'avais fait en pacifique, bah, il y aurait rien eu. Bon, bref, on va voir. Je continue et tout, elle frappe à la porte et lance toc-toc. Je réponds, qui est là? Maria. Maria qui? Olé. Wow.
Ça crève les yeux, cette femme était extrêmement douée. On a continué de se raconter des blagues pendant des heures. Au bout d'un moment, j'ai dû partir. Papyrus devient ronchon sans son histoire avant d'aller au lit. Mais elle m'a demandé de repasser la voir, ce que j'ai fait. Je suis revenu encore et encore, c'est notre passe-temps. Nous raconter des blagues pourries à travers la porte. C'est le pied. Pourtant, un jour, j'ai remarqué qu'elle riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui allait pas. Elle m'a sorti quelque chose d'étrange. Si un humain franchit un jour cette porte, voilà, donc c'est Auriel. Pourriez-vous par pitié me promettre quelque chose? Veillez sur lui et protégez-le, d'accord? Pour être franc, je déteste faire des promesses à quelqu'un. Et cette femme, je connais même pas son nom. Mais quelqu'un qui aime à ce point-là les blagues pourries possède cette sincérité à laquelle on ne peut pas dire non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cette promesse que je lui ai faite, tu sais ce qui serait arrivé si elle m'avait rien dit? Petite tête. Tu serais déjà 6 pieds sous terre. Eh, hey, détends-toi, poteau, je plaisantais, c'est tout. Et puis, tu trouves pas que j'ai assuré ta protection comme un pro jusqu'ici? Je veux dire, regarde-toi, t'as pas cassé ta pipe une seule fois. J'ai raison, pas vrai? Bah, tout ça, c'est grâce à mon incroyable talent. Hé hé. Du coup, tu vas me tuer? C'est quoi l'histoire? Bon, bah, c'est tout. Prends soin de toi, le mioche. Parce que quelqu'un tient beaucoup à toi. Oui, mais elle est morte. Bon, bah, c'est peut-être pas maintenant, mais quelque chose me dit qu'à un moment, on va se le prendre. Il est parti où? Ou peut-être que j'ai dit n'importe quoi, mais c'était ma théorie. En venant ici, je me suis rappelé que j'avais oublié de réserver. Mais pour ne pas m'affoler, j'ai continué de marcher comme si de rien n'était. Maintenant, me voilà forcé à boire de la rosée sur ce ficus. Très bien. Oh, bonjour monsieur. Au départ, on creusait des tunnels remplis d'énigmes pour prévenir l'invasion humaine. Mais à présent, on crée des trucs vraiment farfelus, les traditions, je vous jure. On peut pas faire 3 pas sans tomber sur une montagne d'énigmes. D'ailleurs, le chat, t'es ternu? Mon fils, il passait son temps à faire des jeux de mots sur la glace. C'était insupportable. Je le fais savoir et il a fugué peu après. Un jour, je recollerai les morceaux avec lui. C'est la moindre des choses. L'aurais-tu croisé par hasard? Aurais-tu vu mon fils? Comment va-t-il? Bah, je crois que je l'ai tué, ton fils. Je bosse dans le noyau. C'est un vrai dédale de pièces interchangeables. Je crois qu'en fait, tout ça, c'est des gens que... Effectivement, voilà, j'ai tué. C'est un vrai dédale de pièces interchangeables là-dedans. Et par pièces, je parle carrément de salles. C'est facile de les mélanger. J'imagine que si tu fais le mode pacifique, t'arrives là et t'as plein de gens, en fait. Je me suis bien amusé aujourd'hui, j'adore faire des puzzles. Ok, le retour du chat. Gloup gloup. Il vous faut une réservation pour manger ici. Vous devrez également réserver une chaise, les couverts, votre repas, etc. Ok. Alors. On va sauvegarder. Faut que j'aille où là? Il y a trop de trucs. Je comprends pas. Merde! Attends, on est au noyau, mais on va d'abord parler aux gens. Un peu. Oui, on sait, l'ascenseur de la ville ne fonctionne pas. À cause de cet incident, les chambres sont en tarif réduit. C'est 200 peu... Non, non, non. Ouais, je vais pas pouvoir rentrer ce soir. Je crois qu'il reste de la pizza froide dans le tas d'or, c'est ta fin. Dans le tas d'or. Je vais pas pouvoir... Ah, vous dites la même chose. Cet ascenseur monte jusqu'à la capitale, mais là, il est en panne. Le personnel fait de son mieux pour mettre à l'aise les gens qui sont retrouvés bloqués. Et toi, en tant que blob, je suis choqué. D'accord. Et ici, c'est fermé. Ouah, service de chambre. Allez, où m'ont la cité? Non. Mais alors? Désolé. C'est fermé de l'intérieur. Service de chambre. Le chat. Bon, 2 secondes. Putain, il m'a tout cassé en plus. En fait, il était derrière, il mordillait les câbles de l'ordi, donc bien gentil, mais non merci quoi. Le chat puni. Mais vivement que je déménage. J'aurai des pièces en plus et tout, je le laisserai dans le salon. C'est mon pain à la cannelle. Mais non, j'ai rien. Mais alors? Oui, mais bah, je crois pas en tout cas. Vous entendez, on dirait que vous pouvez déposer quelque chose au pied de la porte. Poser. Vous déposez un hot dog. Une patte blanche en jaillit, elle essaie de ramener le hot dog dans sa chambre. Mais à force d'appuyer trop fort dessus, le hot dog s'éloigne de plus en plus. Elle a enfin réussi. Vous entendez une sorte de grattement, comme si on frottait 2 pierres ensemble. Une chiocolatine! Une chiocolatine!
glisse dessous la porte. Une chocolatine glisse dessous la porte, mesdames, messieurs. Oui, et c'est Undertale qui le dit, votre grand et vénéré, oh beau Undertale, qui a placé une référence à la chocolatine, mesdames, messieurs. Et rien que pour ça, ce jeu est le meilleur jeu du monde. Vous recevez une chocolatine. Merci. Occupé, on dirait. Bon, et qu'est-ce qui se passe si je donne, du coup, un truc à... Tiens, le pain à la cannelle. Non, vous ne l'avez pas. Bon, ok, ça fera juste ça. Alors ça, je vais vous troller, mais tellement fort, je vous dirai. Non, mais de toute façon, le jeu le plus sous-côté de tous les temps, Undertale, jeu si incroyable, si apprécié des fans et tout, et partisan de la chocolatine. Rien que pour ça, maintenant. Ah, vous allez m'entendre. Oh, je vais être chiant. Oh, je vais être chiant. Oh, mon Dieu, je vais être chiant. Alors, Ring. Hein? Qui c'était ça? C'est le fan qui a traduit. Mais je m'en fous. La version française qu'on connaît, il y a une référence à la chocolatine. En même temps, ça va pas être en anglais qui va dire chocolatine, ils comprennent pas eux. Personne d'autre n'est supposé être ici. Bah, on se souciera de ça plus tard. Allez, on y va. Le noyau. Ring. C'est bon, c'est parti. Prends l'ascenseur qui monte au sommet du noyau. L'ascenseur ne marche pas. Ah. Quoi? L'ascenseur devrait marcher. Bon. Alors va à droite et continue vers le haut. Voilà. Oui. C'est pas à droite. D'accord, maintenant continue d'avancer. Ce gouffre, il n'est pas sur ma carte. Oui, ça, essayons à gauche. La musique, en tout cas, est très stylée. Ok. Ok, tu devrais pouvoir passer par ici. Tant mieux. Ah. Attention! Malicien sort. C'est vrai que du coup, maintenant j'ai une nouvelle arme. Faut pas se louper pour ça. Bon, ça passe. C'était moins une. Pourquoi y a-t-il autant de monstres ici? Je veux dire, c'est pas un problème, non? On n'a qu'à continuer d'avancer, c'est tout. Appuyer sur le bouton, j'imagine, il va me le dire. Tu vas devoir appuyer sur l'interrupteur avant de continuer. Sauf que ces lasers vont s'activer quand tu le feras. Je crois qu'ils vont arriver dans cet ordre. Orange, orange, bleu. Compris? Ouais, c'est bon. Reste en mouvement jusqu'au troisième. Mais, wesh! Ça m'est arrivé sur... J'ai pas eu le temps! C'est arrivé sur la gueule d'une force! T'as vu à quel point c'est arrivé vite sur moi? Mon dieu, tu n'as rien? Je suis désolé. Je me suis trompé dans l'ordre. En plus, oui. Tout va bien se passer, d'accord? Continuons vers la droite. Continuons vers la droite. Putain, mais tu vas m'appeler toutes les 30 secondes? Un carrefour! Essaye de continuer à droite. Je vais pas en haut à gauche parce qu'il va me dire d'aller à gauche. Attends! Non, vers le haut, je crois. Ah, encore deux gars. Pas l'eau dodo bloque le passage. C'est de plus en plus rapide, hein, les trucs qui arrivent sur moi. Il meurt ou pas? Non, il meurt pas. Ferme les yeux. En fait, non, je vais pas fermer les yeux, quoi. Go! Et bon, là, vous prenez 190 XP. Votre love augmente. Dring. C'était pas là. Pardon, je pensais que... Essaye plutôt le chemin de droite. Le pire, hein? Enfin, la pire. Alors. Plus de laser. Ok, je ne ferai pas l'andouille cette fois. Je désactiverai juste les lasers pour que tu puisses passer. Ils ne s'éteignent pas. Je ne peux pas les éteindre, tout va bien, tout est sous contrôle. Je vais couper le courant dans tout ce secteur et tu pourras traverser. Mais on va rien y voir. Ok, vas-y. On paraît que ça va se réactiver. Ring. Attends, stop! Le courant. Il s'est remis tout seul en route. Heureusement, c'est des bleus. C'est-il? Crash, je rigole. Pas des trucs. Non, ça va. Non, ça c'est pas supposé. Je vais de nouveau couper le courant. Quand il se coupera, avance un peu. Puis arrête-toi, ok? Ça ne te blessera pas. Mais bon! Tu vois? La situation sous contrôle, tout est sous contrôle. Oui, bien sûr.
Alors, tu devrais... Je ne sais pas. Je ne ressemble pas du tout à ma carte. Je suis désolé, faut que j'y aille. Putain, le bâtard! Oh, l'enfoiré! Enfin, là, enfoiré. C'est salaud, ça. Pour le coup, ça, c'est salaud. Au nord, la voie du guerrier. À l'ouest, la voie du sage. Toutes deux mènent à la fin. D'accord? Et à l'est, il y a quoi? L'est, la fin. À l'est, c'est la fin. Ok, en gros, je paye. Bon, on va prendre la voie du guerrier. C'est un labyrinthe, en fait. Si je comprends bien. Oh. Bonjour. On va se les faire. T'as atteint le quart du jeu, là. Quoi, seulement le quart du jeu? Non, tout à l'heure on m'a dit que j'étais à plus de la moitié déjà, je peux pas être au quart du jeu maintenant. Puis très honnêtement, vu ce qu'ils nous disent, que là une fois qu'on aura fait le noyau, on ira au château et tout, et le château ça ressemble un peu à notre truc un peu ultime. Ah donc là je suis sur la voie du guerrier avec masse combat. Okay. Faudra faire gaffe. Que le jeu il est cool mais pas autant qu'un Zelda. C'est pas pareil. En comptant la route pacifique si. Oui mais les partez du principe quand même que la route, que la run neutre, c'est la run de base en fait. Donc quand vous me dites la durée du jeu, calquez-vous sur la run neutre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît logique. Là tu es à la route victoire. Ouais, je vois l'idée. Okay. On a plein. Au moins en XP. Est-ce que je le one shot? Yes. Puisque c'est sûr qu'avec les autres runs, les fins sont différentes, etc. Ce qu'on m'avait dit. Ça oui, forcément. Est-ce que ça passe? Ça passe. Notre love augmente. Ok. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai activé un truc. Ça sert à quoi de venir là en fait? Je crois pas. Je vous avoue que là je suis un peu paumé dans ce qu'il faut faire. Ah, c'est quoi? Il y a un gland burger au fond de la poubelle. Voulez-vous ramasser cet objet? Vous n'avez plus de place. Utilise là, ça va me restaurer. Hop. Obtenez le grand burger. Très bien. Alors. Du coup, faut que j'aille où là, les gars? Je comprends pas. What? Je ne comprends pas ce qu'il faut faire là. Je vais revenir en arrière, mais. Est-ce que je peux aller par là? Tu as ouvert le chemin de l'est. Donc là, à droite au niveau de la save. Ok. J'étais déjà tout à l'heure là. Ah, mais là après c'est fermé, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, save.
Ça, c'est quoi? Ah, fallait pas prendre l'ascenseur d'abord? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, te voilà, trésor. C'est l'heure de notre petite confrontation. C'est enfin l'heure de stopper le robot défectueux. Oh, il est encore là? Mise en scène. Alphys s'est jouée de toi pendant tout ce temps, tandis qu'elle t'observait derrière son écran. Elle s'est prise de tes aventures. Elle voulait désespérément en faire partie. Alors, elle a décidé de s'introduire dans ton histoire. Elle réactive les énigmes, désactive les ascenseurs et m'a demandé de te pourchasser. Pour que tu penses qu'elle est formidable. Ce qu'elle n'est pas. Et maintenant, son heure de gloire est venue. À cet instant précis, Alphys attend en dehors de cette salle. Pendant notre combat, elle s'interposera. Elle fera mine de me désactiver, te sauvant ainsi une dernière fois. Enfin, elle sera l'héroïne de ton aventure. Tu l'admireras tellement qu'elle pourra même te convaincre de rester ici. Ou pas. Très bien. Vois-tu, j'en ai assez de cette comédie prévisible. Je n'ai aucune intention de faire du mal aux humains. Loin de là, en réalité, mon seul désir est de divertir. Après tout, le public mérite un bon spectacle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'un bon spectacle sans un retournement de situation? Hé! Qu'est-ce qui se passe? La porte vient juste de se verrouiller d'elle-même. Donc il était vraiment là. Désolé les amis, votre programme habituel vient d'être annulé. Mais ce final que l'on vous a réservé va vous décoller la rétine. Drame authentique, action authentique, carnage authentique. Voici notre nouveau spectacle, l'attaque du robot tueur. Mais oui, mais je vais toujours pas pouvoir... Ça va toujours rien lui faire. Oui, c'est bien moi qui ai raménagé le noyau. Moi qui ai engagé tous ces gens pour te tuer. Et tout ça s'est décidé sous le coup de l'impulsion. La tuer serait mille fois plus intéressant que te tuer de mes propres mains. C'est ce qui risque de vous arriver si la situation ne fait qu'empirer. Tu es faible, si tu suis cette route, Asgore va t'arracher ton âme. Avec elle, Asgore détruira l'humanité. Mais... On sauvera alors l'humanité. Alors, vous me dites tir. Putain, faut que j'aille où là? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, tire. Tire avec ton cœur. Tu as le cœur jaune, tire. Oh putain, c'est vrai! Ouais. J'ai complètement zappé cette histoire. Pardon, j'avais complètement oublié. C'est pas. C'est pas. Je peux aller tirer dessus à lui. Ah. Je vois rien de ce qui se passe là-dedans, mais... Je tire dessus, quoi. Et confiance, d'accord? Il y a un autre moyen de vaincre Métaton. C'est encore un prototype, alors fais preuve d'indulgence. Bon, tu as remarqué que Métaton regardait toujours vers toi. C'est parce qu'il y a un interrupteur dans son dos. Alors, si tu arrives à lui faire tourner le dos, et appuyer sur ce bouton, il deviendra vulnérable. Bon, je te laisse. Le moment semble bien choisi pour switcher Métaton. C'est pas ça que je voulais faire. J'étais sur action, je pouvais rien faire. Première action, Métaton, retourner. Dites à Métaton qu'il y a un miroir derrière lui. Oh, un miroir, dis-tu? Oui, tu as raison. Je dois faire bonne impression pour notre grand final. Je ne vois rien, où est-il? Tu viens d'appuyer sur mon bouton. Ok. Pourquoi il y a un Dark Vador avec une armure de Super Saiyan? Oh, si elle se tue appuyée sur ce bouton, ça ne peut signifier qu'une chose. Tu meurs d'envie de voir mon nouveau corps en avant-première. Quelle toupée! Une chance pour toi, je mourrai d'envie de te montrer. Alors, pour te remercier, je viens de faire une fleur. Une fleur? Palam pam pam! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est trop moche! Absolument fabuleux. Non! Alors, le problème, c'est que j'ai pas de vie. Et là, ça le touche ou pas?
Là, ça le touche, ok. Ah, je vais mourir parce qu'en fait, j'ai pas de vie. Il faut que je me soigne et très vite. Je compte sur toi, la chocolatine. Oh, la chocolatine qui m'a rendu tous mes PV. La chocolatine. Merde. Bon, en vrai, le combat... Enfin, là, quand j'attaque... C'est tellement galère que c'est dur de lui de bien lui caler les trucs. Mais c'est horrible. À esquiver ça. Non mais... Les couteaux, je peux pas les esquiver en fait. Là, je suis mort. En fait, je comprends pas comment stopper ça. Limite les tirs au bon nombre. Au bon nombre. J'espère que tu as un clavier sous la main. C'est parti pour un quiz écrit. Écrivez. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Metaton? X et Z interdit. Quoi? Rien à dire comme je... Metaton enregistre notre rédaction. Je comprends pas. Ça va trop vite. C'est la que je suis révélé ton cœur aux gens. Laisse-moi donc te montrer le mien. Il y a combien en fait là? Peut-être que je tire sur le cœur en fait. Ok. Merde. Ça va, ça arrive trop vite, cette nouvelle arme elle est bien mais. Ah, vous trouvez la musique sympa? Je la trouve pas ouf moi perso. Contrairement à d'autres qu'on a eu, je la trouve pas terrible. Bah, je sais pas. Mais wesh! Adieu! Non! Je voulais pas faire ça. Bon, là on est mort. De toute façon, comment je suis censé esquiver ça en fait? Ah, parce que c'est bleu, ouais, tout simplement. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais me soigner. Bah j'ai plus de... J'ai que ça. On va... Cette game là on va la recommencer parce que là on va... On n'y arrivera pas là, c'est sûr. On va péter le feu. J'ai changé d'arme sans vouloir, mais je vais pas rechanger parce que là, joyeuse pause. Oh, t'es gentil. Au final, c'est limite si je fais plus de dégâts parce que ça arrive moins vite. Bon, bah c'est fini là. J'ai plus que 5 PV. Ok. J'ai plus d'objets qui me soignent là, on est d'accord? Ça c'est bandiril, ballerie. Non, j'ai plus d'objets qui me soignent. Ouais, j'ai vu que les explosions me blessent, mais bon. Bon bah tant pis, on va la refaire. Eh bah voilà, c'est fini. Eh oui, mais je sais bien que... Mais en même temps, en fait, je suis... Le problème, c'est que là, les explosions me blessent, mais je suis obligé de tirer dessus, en fait. Je sais pas. C'est bizarre. C'est chelou. Bah déjà, si je pouvais démarrer un combat avec toute ma vie, ce serait sympa, quoi. Parce que c'est un peu con, quand même. Pourtant, mais attends, mais j'avais save, pourtant, non? Je comprends pas. J'avais save. Chelou, cette histoire. On va voir. Yo. Allez. Alors.
Merde, je fais de la merde avec ça. Putain. Il descend ma vie tellement vite. Oh, j'ai bien mis là. Putain. Un terreau de surprise. Oh, ouais, alors ça j'ai pas compris. C'est parti pour un quiz. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez mes tâtons? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je dise en fait là? Je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse là. Je suis relevé ton cœur aux gens. Laisse-moi donc te montrer le mien. Écrit jambe. Oh. Ah, faut le savoir ça. On l'a bien touché là. Merde. Ok, ça je viens de comprendre le délire. Putain. Ouais, des fois il y a besoin de s'en refaire un coup. Ça marche mieux quand t'as refait un coup des fois. Ouais, je suis le rythme. Oui, ça va. Le deuxième try, ce sera beaucoup mieux passé. Voilà, regarde. En vrai, il est pas si complexe. Je me suis fait un peu rentrer dans la gueule au premier try. Mais en vrai, tu vois, au deuxième, ça va, quoi. Ça passe. Ça va. Ça va. C'est l'heure de la pause syndicale, ben merci. J'avais peur qu'on reste bloqué longtemps dessus. Au final, ça va. Je me suis dit, on va rester 15 fois sur lui, tu sais, ça va être lourd. Quand même. Allez, ciao. Eh bon. On l'a eu. Ah, je me suis trompé, trésor. Tu as bel et bien de quoi survivre face à Asgore. Bon, eh bien, il est temps pour toi de partir. Ne te soucie pas de moi. Même si j'ai vraiment l'air d'un mourant, là. Le docteur Alphys pourra toujours me réparer. Oui, on verra. Et puis, même si je ne suis pas fait pour devenir une star, au moins, j'aurais pu me produire devant un humain, non? Alors, merci à toi, Trésor. Pew! Tu as été un public formidable. En vrai, c'est pas mon combat préféré pour l'instant. Je pense, je sais pas. C'était sympa, quand même, ça, c'était sympa. Alors, au moins, il arrêtera de nous faire chier. J'ai réussi à débloquer le verrou. Est-ce que vous... Mais je suis là. Oh, mon Dieu. Ah oui, bah... Mes tâtons, tu es... Bah oui. T'énerve pas sur moi, mec. Femme, pardon. Eh, hey, t'inquiète pas pour ça, je peux toujours construire un robot différent. Tu devrais y aller maintenant. Bon. Pour la rediff, on va s'arrêter là, merci beaucoup. Pour le live, on continue encore un peu, puisqu'il n'est pas si tard que ça, vu qu'on a démarré le live tôt. Donc voilà, merci à la rediff, à bientôt pour le prochain épisode.